va venir là sur la plaque. Ouais, faut pas monter là. C'est assez technique, il faut avoir un toucher de balle assez sympa, donc c'est plutôt pas mal. Puis en plus on prend du plaisir, il fait beau, donc il y a toutes les conditions réunies pour se faire plaisir, c'est bien. Bonne détente le dimanche alors. Ouais, voilà, exactement. Surtout après être défait. Ouais, voilà, changer les idées, ça fait du bien. Je dis qu'il y a, pour les gens qui ont joué au foot, il y a à peu près 200-250 000 seniors qui arrêtent tous les ans. Là, il y a une occasion de loisir unique parce qu'il n'y a pas de contrainte de quantité de joueurs et on continue à jouer au pied. Alors, c'est formidable. Hein. Non, mais là, il y a un super marché. Moi, j'en pense que du positif de ce que j'ai vu. Hein, et qu'on soit talentueux, qu'on ait joué au niveau ou qu'on ait simplement été un footballeur de loisir, ben, on va retrouver des sensations. Des petits défis, quoi. Après, un jour, il y aura des parcours spécifiques foot-golf. Immanquablement, il y a des sociétés commerciales qui vont se lancer là-dedans. C'est sûr, parce qu'il y a un marché énorme avec l'ensemble des pratiquants et les 10 ou 12% qui arrêtent un petit peu parce qu'il y a des contraintes familiales, parce qu'il faut toujours être à 11, parce qu'il faut se déplacer, qu'on est tenu par un championnat fixe. Là, on est dans la détente et on continue à jouer au pied. Donc ça va se développer. Il y a la télévision, tout ça. Bah, c'est un mélange de foot et de golf. Et ça se pratique avec les mêmes règles que le golf, sur un terrain de golf. Avec des trous qui font 55 cm de diamètre, donc qui sont adaptés pour pouvoir faire rentrer un ballon de taille 5, un ballon de foot classique. Est-ce qu'il y a des terrains spécifiques ? On va en ouvrir 12 sur 2014. Il y en aura 12 en France qui seront des terrains spécifiques, et notamment au golfe de Besanne, où à partir de la semaine prochaine, on pourra s'essayer au foot golf. Tu nous comptes combien là-dessus ? Vous avez fait 3. 3 ? Ouais, pas mal. Eh ben ? Quel talent. T'es concentré, hein ? Ça fait 32, mais il y a encore un. Il n'a pas confiance au bout. Yernot, c'est déjà plus décontracté que le golf, bien sûr. Moins de choses à maîtriser. Nous footeux, c'est toujours un peu plus simple, mais voilà, on retrouve quand même le fait d'étudier les pentes, de voir un petit peu la puissance qu'il faut avoir ou pas. Donc non, voilà, c'est quelque chose de nouveau qui est super décontractant. Voilà, on partage une belle après-midi avec des gens qu'on ne connaît pas spécialement, avec des amis aussi. Donc voilà, c'est le mot d'ordre, c'est le partage. Et toi qui joues au golf, c'est un avantage de jouer au golf ?
On a les réflexes d'étudier les pentes, mais le ballon a quand même moins d'influence que la balle sur le putting, entre guillemets. C'est peut-être à la limite plus dur de gérer le ballon qui est gonflé. Là, le terrain est sec aujourd'hui, donc c'est un peu plus difficile à gérer, mais voilà, on s'amuse bien. La tenue, donc, c'est essentiellement les deux points différenciants. Alors, je ne l'ai pas, normalement, c'est un béret. C'est les chaussettes jacquard hautes, bermuda, polo, et petit débardeur façon jacquard. Et surtout, le plus important, c'est les chaussures stabilisées sans crampons. Voilà, c'est la tenue officielle du foot-golf. Tenue à combien ? Alors bah ça dépend, c'est comme tout, hein. il y a des tenues. En tout cas le principal c'est le bermuda et le polo, donc on peut jouer au football pour 50 euros. Hein. Mais voilà, après là c'est vrai qu'on a de la marque, donc c'est un peu plus cher. Faire le une petite pente. On va se faire une petite pente là. Ça soit en couple quoi, une fille et un garçon, le garçon pour la force, la fille pour la finesse, un peu de technique, mais c'est vrai que c'est pas évident. Depuis que je suis ambassadeur du foot golf depuis un an, je les suis dans toutes les villes de province, et c'est vrai qu'on a une belle finale le 3 octobre, et c'est vrai que j'adore, je suis bien, c'est pour ça que je donne des petits conseils, je joue un peu le matin, un peu l'après-midi. Je joue bien mon rôle d'ambassadeur, ouais. Réel plaisir, tout va bien. Après chaque parcours, quand on revient au clubhouse, tout le monde a la banane, tout le monde sourit, tout le monde a passé un bon moment. Alors c'est vrai que le plus dur c'est d'emmener les gens un peu sur le parcours, mais voilà, il y a des télés comme vous, il y a la radio, il y a les journaux, on essaye d'en parler, et c'est vrai que avec le bouche à oreille, et bah, il y a beaucoup plus de participants. J'étais à Rotterdam dans le stade. Ah, sympa. Bon petit souvenir. Hein. Ah ben... Non, pas un petit. Hein. Ah ouais, c'est un énorme souvenir. Il marque à 30 secondes de la fin. Ça te donne pas envie de rejouer au stade? Qui ça? Oh non, ça y est, je suis à la retraite. Hein, c'est terminé, mais en tout cas... Maloudak, mais il est plus jeune, mais enfin. Ouais, il est un petit peu plus le jeune, le petit Maloud. On les suit, hein, les petits Rémois. Ah, on aime bien suivre un petit peu, mais voilà. Ah, parce que vous avez déjà un ballon de placé? Ah ouais. Ah ouais, tu m'as fait peur. Ça fait comme la pétanque alors. Les approches, ouais. Les approches un petit peu, mais après... Oh. Trop fort. C'est trop fort. Trop fort. Salut. Bye bye. C'est sympa. J'ai passé l'après-midi. Voilà, patate que il est où votre deuxième ballon? Mais comme on dit, c'est mieux d'être en binôme avec un garçon. Ah, là, toi, pour la force et nous pour la finesse. Ouais. Allez, on va le mettre en 8. Hein. Bon, peut-être. Hein. Allez, 8e. On va te mettre là-bas, Mathieu. J'ai confiance, je reste là. Je ne bouge même pas. Tu ne bouges même pas? D'accord. Allez, le birdie. Allez, 8. Le birdie.
l'instant, on n'a pas prévu, en tout cas, on ne cherche pas à rejoindre ni l'une des deux fédés, ni le golf, ni le foot, ni le foot. Non, non, on est bien autonome, on va essayer de développer nos propres licenciés. Et puis, voilà, faire un bout de chemin avant de voir vraiment le potentiel que ça peut avoir. Mais l'objectif, voilà, c'est d'avoir 3 à 5 000 licenciés d'ici 2 ans. Nous, au Daily Golf, on a dans l'idée de toujours proposer des nouveautés. Et, quand la Fédération de Foot Golf m'a contacté pour organiser cet événement, j'ai tout de suite dit oui. C'est le moyen de faire découvrir le golf à des footballeurs et surtout de faire nous découvrir le site et que les gens s'amusent, parce qu'au final, en tant que très nouveau joueur depuis cet après-midi, je découvre un sport qui est super, on a un temps magnifique, donc c'est vraiment une très belle pratique et je pense que ça va prendre. D'ailleurs, nous, on va au Daily Golf associer donc le golf classique sur lequel on joue et le foot golf, parce qu'on garde les trous de foot golf et on va continuer cette pratique et ouvrir des créneaux dédiés au foot golf. Dès la semaine prochaine, on va commencer à attaquer, ouvrir des créneaux de foot golf. Par la suite, on envisage même d'ouvrir une école de foot golf pour vraiment booster cette discipline. Mais ça, on va dire, on est plutôt sur un horizon à 2015. Alors, le golf est quand même un sport qui coûte cher. Est-ce que le foot golf va s'adresser à notre clientèle ? Le golf ne coûte pas si cher que ça. Nous, on est vraiment sur une volonté d'ouverture et de démocratisation du golf. On a des forfaits, contrairement à certains golf classiques, on a la possibilité de mensualiser ses abonnements et ses paiements. C'est assez simple chez nous. Pour 1 euro, vous pouvez louer un club. Pour 2 euros, vous avez un saut de balle. Donc pour 3 euros, vous pouvez jouer au golf. Si pour vous, c'est cher, pour moi, je trouve que ça reste accessible. Le foot golf va être dans le même ordre parce qu'au final, on n'a besoin d'aucun matériel. Si ce n'est un ballon, on va donc prêter le ballon ou les personnes viennent avec leur ballon. Une tenue qui reste réglementaire, ça on va être attaché à ça parce que c'est comme ce qu'on a au golf, c'est l'étiquette, donc c'est ce respect de la tenue qu'on veut avoir. Mais derrière, ça va être pareil. Je pense que pour faire un parcours 9 trous de foot golf, on sera en dessous de 15 euros. Donc c'est moins cher qu'un bowling, on va dire. Moi je suis à l'accueil du golf, donc je suis habituée à voir des débutants golfeurs. Et donc maintenant je vais voir des footballeurs golfeurs. Parfois des connus comme aujourd'hui. Parfois des joueurs connus. Bah, on en a déjà. On a Antoine Devaux qui est déjà golfeur. Donc là maintenant il va pouvoir faire les deux.